Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Nous nous retrouvons avec vous ici à Vectorins pour la présentation presse de cette deuxième édition du Trophée Andros électrique. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi Noroto a décidé il y a un an de s'engager comme partenaire fondateur sur cette nouvelle formule de Trophée Andros électrique. Pour nous c'était une formidable opportunité parce que c'était la première fois en 40 ans que Noroto décidait de s'engager dans une compétition automobile. Et si on s'y est engagé, c'est parce qu'elle est justement électrique. Donc ça nous permet de combiner et d'exprimer nos valeurs de développement durable, de performance sportive et également d'innovation. Aujourd'hui, vous avez décidé d'engager un team. Vous êtes la seule écurie, le seul partenaire à le faire. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? On voulait un petit peu se différencier parce qu'on est une entreprise de commerce et une entreprise de commerce, elle réussit quand elle dégage des valeurs d'esprit d'équipe. Donc on a voulu utiliser cette notion d'esprit d'équipe avec ce team 100% féminin pour valoriser effectivement ce travail en équipe qui caractérise nos métiers. Et en plus, vous avez choisi deux femmes. C'est spécifique, c'est une volonté de départ ou... C'était une vraie volonté aussi de choisir deux filles dans cet univers masculin, dans cet univers automobile. Deux filles surtout qui sont performantes parce qu'elles ont chacune un palmarès étonnant dans ce monde. Et c'était pour nous un clin d'œil indispensable. Jérôme, un petit mot pour les internautes et pour tous les fans du team 100% électrique Noroto. Ben d'abord, merci à tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur ce site internet qui développe un contenu exclusif et unique sur l'Andros électrique. Alors cette année, il y aura des nouveautés, du contenu exclusif et notamment des résultats en temps réel. Alors rendez-vous 100%électrique.com.